Bistrot, c'est Bistrot Vélo, on perd pas de temps avec Sébastien Petit. On regarde tout de suite votre menu du jour. Un menu alléchant, un jambon cru des Ardennes. Et oui, on est en pleine période des Ardennaises. On va en parler d'ailleurs avec notre invité qui disputera dans deux jours la Flèche et qui sera dimanche au départ de Liège-Bastogne-Liège, Cassoulet du Nord. Il est de Toulouse, il est dans une équipe nordiste. C'est encore notre invité, ce sera notre plat de résistance. Et enfin, une tartignole. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, monsieur Anthony Pérez, une tartignole, mais c'est un dessert que vous pourrez peut-être manger dimanche soir à Liège. Bonjour Anthony Pérez. Salut. Comment y va Anthony Pérez ? Écoute, ça va, je viens d'arriver à l'hôtel là, pour la Flèche Wallonne après-demain. Donc vous êtes arrivé en Belgique ? Ouais, apparemment je suis vers en Belgique, ouais. Bah, c'est bien, si ce n'était pas la Belgique, vous étiez trompé, monsieur Pérez. Je n'ai pas regardé où je suis, j'ai suivi les panneaux et je suis arrivé ici. C'est fou en fait, on s'aperçoit quand les coureurs comme ça, il y a un programme, il y a des vouchers, on suit mais on sait à un moment donné plus trop où on est. Ouais, exactement, je ne sais pas du tout où je suis là. Non, mais c'est vrai. Enfin, on verra. De toute façon, dès que tu es au nord de la Loire, tu sais plus où tu es. On va regarder ton palmarès. Anthony Pérez, bien entendu, vous connaissez bien. Il est né à Toulouse. Il a cet accent cher à Monsieur Nougaro, notamment. C'était en 1991. Il a eu pas mal de clubs. Il est passé à Albi, la ville d'un certain Lilian Calmejean. Passé à Blagnac également. Et puis au Vélo Club de La Paume, Marseille, où il a été stagiaire. La VCX, enfin, avant de poser ses valises chez Cofidis. Un soleil qui est au zénith, on en reparlera. Une victoire cette année, c'était la Phonodrome Classique. Et puis un spécialiste des courses d'une journée avec la classique Loire-Atlantique. Ça aussi, on va en reparler parce qu'il était au départ cette année avec son copain Axel Zinglet. Comment ça se passe ta saison ? Tu ne disputais pas la première Ardennaise, l'Amstel. J'imagine que tu as regardé ça quand même à la maison. Ouais, j'ai regardé l'Amstel, j'ai vu une bonne... une bonne journée de vélo, ça a quand même bataillé dès le départ. Hein. Ils ont fait une sacrée course et Axel, il accroche le top 10. Franchement, chapeau. Une Chapeau. belle performance. Et toi, ça se passe comment cette saison? On va revoir ces belles images. Une victoire qui te tenait à cœur, j'imagine. Une victoire à la Pérez, en solitaire. Tu fais souvent des efforts pour les autres. Enfin récompensé sur cette édition de la Fun 2023 dans un vent, je dirais pas à quoi, mais voilà. Il fallait pas avoir des cornes ce jour-là. C'est vrai que j'avais à cœur de faire un bon début de saison. Chaque année, je marche bien en début de saison. Et là, j'ai un nouveau terrain d'entraînement pour me préparer au mieux. Et du coup, ça a bien réussi. J'étais bien content. Et voilà, après, maintenant, on passe à l'autre partie de saison. Qu'est-ce qui a changé dans ta préparation? On écoutera Guillaume Martin, on te voit souvent rouler pour lui, notamment sur le dernier Tour de France. Tu as le droit aussi de jouer ta carte personnelle dans l'effectif de Cédric Vasseur? Ouais, c'est ce qui me plaît bien aussi ici, c'est que je peux jouer ma carte quand j'en ai les jambes et après, évidemment, quand j'ai un leader comme Guillaume ou Yann Izaguirre, je me mets à leur service et c'est un boulot que j'aime bien aussi. Donc, c'est cool d'être aussi multicarte, tu vois, au moins tu fais plusieurs choses, donc c'est cool. Ça permet de casser la monotonie. Si on disait tu vas rouler, tu vas rouler, tu vas rouler pour les autres, au bout d'un moment, un ciao tutti, je change de crèmerie. Ouais, c'est sûr que c'est moins, voilà, on brise la monotonie, ouais, bon, t'as compris. Monotonie. Ouais, voilà. Mais au moins, voilà, je suis multicarte et c'est cool que j'ai l'équipe qui me soutienne à être dans ce rôle-là. Je crois qu'il y a nos amis de la tête dans le guidon que tu connais qui posent la première question. Il dit comment, Guillaume, tu as réussi à emmener Anthony Pérez devant une caméra? Tu fuis les caméras? Non. Non, non, pas du tout. Non, c'est eux qui essayent de me fuir. Ah, c'est ça. Ils sont partout, hein, les deux jumeaux qu'on a vus sur les C'est réseaux ça. sociaux d'Eurosport notamment. Tiens, on va commencer par la première question. Je t'ai envoyé trois vidéos sur ton portable. La première, elle est posée par Samon Geschke. En français, l'allemand lui aussi, il roule souvent à tes côtés. Je te laisse l'écouter et puis on entendra ta réponse juste derrière. Salut Anto, c'est ton Vas-y. coéquipier préféré et je veux savoir si tu fais quelque chose de spécial avec tes cheveux parce qu'ils sont toujours vraiment belles. Qu'est-ce qu'il est con celui-là? Ouais, il est con, mais je suis jaloux aussi. Toujours impeccable. T'es le seul coureur toujours coiffé impeccable. T'es un fouteux en fait.
Je sais pas, ouais, je dois avoir. J'adore le foot d'ailleurs. Mais c'est vrai que ouais, j'essaie d'être de ressembler à quelque chose. Après, c'est comme ça, j'essaie de faire attention à quoi je ressemble. Premier truc que tu m'as dit tout à l'heure, tu t'es cadré, tu as dit beau gosse, c'est ça ton idée? Mais c'est quoi le Non, non, je secret? C'est quoi déconne. le Quand je dis secret? ça, Comment je tu fais pour être déconne. impeccable tout le temps? Mais écoute, je me rase la barbe parce que ma femme, elle déteste que j'ai deux poils qui dépassent. Et du coup, ben, je peux pas ressembler à Simon Geschke, tu vois, donc je suis jaloux de lui, tu vois. Simon, T'as pas... c'est un garçon particulier. Simon, déjà dans son approche du métier et dans son régime. Également, c'est quelqu'un qui mange pas comme les autres et pourtant qui est toujours là. Qu'est-ce que tu as appris au contact de Simon Geschke, un garçon qui a gagné sur le Tour de France, on s'en rappelle. Ouais, c'est déjà, il est végan. Donc ça, déjà, je... Il est végan. Ou vegan, c'est comme on veut. À Toulouse, on dit vegan. Non, mais Simon, c'est marrant parce que quand je le voyais avant, j'avais peur de lui. Je me disais, putain, il a l'air fort, il fait peur. Et en fait, c'est un nounours, tu vois. Et c'est un super mec qui me fait rigoler. On se chambre beaucoup. C'est intéressant ce que C'est, tu dis parce j'adore. qu'il y a ce que la personne renvoie. C'est vrai que Simon Geschke, allemand, toujours le visage fermé, la grosse barbe. Et en fait, bah, rien à voir, quoi. Il y a ce que l'on croit et puis la personne qu'il est. Et ça, c'est deux personnes complètement différentes. C'est ça exactement. On va faire ton petit questionnaire Bistro Vélo. Ça fait pas mal. Tu vas voir, c'est cinq questions. Ça va très très vite. Questionnaire Bistro Vélo d'Anthony Perret. Je voudrais savoir, Anthony, quel est ton meilleur pote dans le peloton? Aujourd'hui, là, ben, c'est quelqu'un que j'ai croisé pas mal ce début de saison, Thibaut Pinot. Pourquoi? Où c'est que vous avez parce qu'il y en a un qui est on va dire du nord de la France et l'autre du sud. Qu'est-ce qui vous a rapproché avec Thibaut? Ben, je sais pas, je pense que notre humour se connecte bien, on arrive à rigoler tout le temps. Je sais pas, chaque fois qu'il me croise, on se fait des vannes et. Ça se passe bien avec Thibaut, ouais. On rigole bien. C'est pas mal. Thibaut, les Cofidis, il lui en fait un peu mal hein, ce week-end, on y reviendra tout à l'heure. Il va manquer Thibaut Pinot au peloton français l'année dernière. Il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Elle est un peu tôt, cette retraite de Thibaut Pinot. T'en penses quoi, toi? Ben, tôt par rapport à son âge, oui, parce que je crois qu'il a qu'un an de plus que moi. Ouais, c'est ça. Mais pas tôt par rapport à sa carrière, parce qu'en fait, lui, il est pro depuis. Enfin, moi, en tout cas, ce que je vois de lui, c'est qu'il est pro depuis qu'il est cadet, ce gars. Donc, pour lui, c'est une carrière extrêmement longue. Il a été pro. Il avait déjà un SRM en junior, je crois. Enfin, Ça fait 10 ans c'est un qu'il est gars au qui a plus haut tout niveau. analysé depuis très petit. Donc, je pense que là, il arrive à la rupture, je pense, tu vois. Peut-être Alors, qu'il arrête avant la rupture, peut-être. c'est pas plus mal hein, des fois. Ton meilleur souvenir sur le vélo, Anthony Pérez? J'en ai quelques-uns, mais je dirais ben, mon premier Liège-Bastogne-Liège. Ça reste une image que j'ai gravée en moi, tu vois. Cette échappée dans le final avec enfin, un peu solitaire et avec Stéphane Rossetto à la fin, ça reste un truc que je garderai dans mon cœur. Sur les premières années, on t'a vu souvent d'ailleurs dans les échappées sur ces classiques. Tu serais échappé mercredi? Et non. Ah! Non. Non, donc tu seras J'ai un autre protégé. plan. Tu seras protégé mercredi. Non plus. Ah! Tu prendras pas le départ mercredi. Eh si. Ah bon. Bon, on verra mercredi, ce sera sur Eurosport. Ton premier coup de pédale, Anto? J'étais tout petit dans mon quartier. On faisait des courses avec mes voisins. On faisait des courses qu'on s'organisait nous-mêmes. On faisait un tour de quartier. C'était un tour de peut-être 400-500 mètres. On essayait de battre le voisin, quoi. Et tout ça en vélo, pourquoi? À Toulouse, c'est plutôt le ballon ovale, le foot, le TCVC qui va bien en ce moment, finale de la Coupe de France. Pourquoi le vélo? Tu es d'une famille de vélo? Et parce qu'en fait, mon père, lui, il allait faire du vélo. Et du coup, nous, on s'est dit, nous, on joue au ballon. Moi, je joue au ballon avec mes voisins. On s'est dit, mais enfin, ouais, putain, il part souvent faire du vélo, machin. Et on s'est dit, ben, on va y aller nous aussi un jour. Et du coup, mes deux voisins qui sont pas du tout issus du vélo se sont mis en club. Et je me suis mis en club aussi. Et en fait, entre copains, on s'est retrouvés à se sortir
la banlieue toulousaine à aller faire des tours dans la nature en vélo. On a découvert la nature, des choses qu'on ne voyait pas en ville. Et Il n'y avait pas les voilà, c'est parents. Il comme n'y ça avait que pas c'est les venu. parents et on peut aller loin sans les parents. C'est un premier sentiment de liberté. On retrouve souvent ça hein, chez C'est les vrai. cyclistes. C'est le moyen qui permet d'échapper un petit moment à la vigilance des parents et de découvrir son monde, en fait. Ouais, c'est vrai. Et puis, tu sais, tu as cette appréhension de partir loin de chez toi. Tu sais, je suis à 10 km, 15. Tu sais, waouh, c'est fou. Ouais, on a tous connu ça. Ton idole de C'est vrai. jeunesse, Anthony Pérez. Ben c'était Jan Ulrich, il existe encore, mais ouais, c'était parce que je regardais le Tour de France à cette époque et j'ai la fâcheuse tendance à aimer le deuxième, moi, c'est comme ça. Donc voilà, T'es c'était français. lui mon. T'es français. C'est comme ça, ouais, c'était lui. Et encore aujourd'hui, tu aimes le deuxième. Ouais, maintenant c'est différent parce que comme je suis dedans, j'ai plus trop d'idoles dans le. Dans le. J'ai plus trop d'idoles, je sais pas. C'est comme ça. Ouais, ils C'était sont. une époque, je pense, la jeunesse, où voilà, Ouais, tu là, t'attaches à des gens. sont tes collègues, finalement. Difficile d'avoir un idole dans ses collègues. Moi, j'ai Louis-Pierre Frileux. Mais voilà, ça c'est autre chose. Ton pire Toujours bien souvenir, coiffé, d'ailleurs. lui, comme toi, je pense C'est que fou. tous les deux, il y a un truc avec les cheveux. Ton Alors, on pire se souvenir contacte en dans fait en secret. ton pire souvenir dans le vélo. Je dirais qu'il y en a deux. Le moins pire, enfin le moins pire du pire, c'est Ronde de l'Isard. J'étais à Aix-en-Provence. J'ai été en tête de la course avec Pierre-Henri le cuisinier, je crois. On était trois devant. Il y avait un USA, je crois que c'était Warbass, je crois. Je suis pas sûr. Et je me suis fait lâcher de l'échappée. En fait, j'allais faire dans les trois premiers de la Ronde de l'Isard. Je me suis fait lâcher par le peloton. Et j'ai passé la ligne d'arrivée en hypothermie et hypoglycémie et je suis tombé dans les pommes. Et ma femme était là. Enfin, du coup, c'était ma copine à l'époque. Et j'avais les yeux qui s'étaient retournés. Et elle est Donc, restée, et elle est restée, c'est beau. ouais. Et j'avais dans l'ambulance, c'était pas cool. Ouais. Enfin, bref, ça, c'était un souvenir assez dur. Et après, ben, Tour de France, quand je me suis pris la voiture de mon directeur sportif, alors que j'allais être maillot à poids. Là, c'était dur. Après, j'avais fait 3 jours en réanimation. C'était pas évident. Et tu nous avais d'ailleurs fait un petit plaisir. Après ton abandon, justement, tu avais passé une petite tête, je ne sais pas si tu te rappelles. Je m'en souviens encore de tes blessures, on y reviendra à tout ça. On va passer à notre Bistro News et on va commencer tout de suite avec le résultat de l'Amstel. Il y a une grosse surprise, hein. C'est Tadej Pogacar qui s'est imposé. Tadej Pogacar qui avait mis une attaque à 70 km, un peu plus de l'arrivée. Il a repris ensuite les échappées et puis il est parti seul à 28 km de l'arrivée. 10e place d'Axel Zinglé que l'on va écouter tout de suite de l'équipe Cofidis. Oh non, ça va, c'était pas très dur. C'est une petite coursette. Ouais, bah, j'ai jamais de crampes. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à sentir des crampes à 50 bornes de l'arrivée. Donc, c'est pas facile de monter les murs. Bon, j'ai ignoré un peu les crampes et j'essaie de pédaler un maximum en danseuse. Et bon, heureusement, personne. Tout le monde était un peu cuit, donc ça m'a permis de m'accrocher. D'aller chercher une placette. Bon, c'est un peu décevant, je pense. J'ai changé de vélo à cause de la pluie, j'avais des pneus qui glissaient. Et je pense que mon deuxième vélo n'était pas exactement en même cote. Et c'était pas grand-chose, mais sur une journée comme ça, je pense que c'est ce qui fait un peu la différence. Et je pense que ça explique un peu les crampes, mais bon. Axel, c'est une confirmation, j'ai pas envie de dire une révélation, hein, parce qu'on le connaît déjà depuis un petit moment. Et tu l'aides beaucoup. Tu l'as aidé notamment dans sa victoire sur la classique Loire-Atlantique cette année. En interview, je me rappelle, il avait dit, bah, j'ai suivi Anthony. Anthony, il me drive, il me donne son expérience. Tu es là aussi pour ça, pour aider les jeunes maintenant dans cette équipe? Ouais, j'apprécie les jeunes quand ils écoutent et aussi parce qu'ils ont beaucoup de talent et que ce serait dommage de pas être de profiter de l'expérience des plus anciens. Donc Axel fait partie des jeunes qui ont l'intelligence d'observer et de vouloir apprendre plus vite que les autres et c'est appréciable. Il a du talent, mais il est aussi intelligent.
Une victoire qui a compté beaucoup cette année pour sa confiance, cette victoire sur la classique Loire-Atlantique que tu connais parfaitement puisque tu l'avais remportée. Moi, quand j'écoute le peloton, on me dit aussi à Axel Zinglet, il a tout d'un leader, il sait ce qu'il veut. Je sais par exemple qu'il a demandé à Cofidis de faire le round 2, le Tour des Flandres. Il n'était pas prévu à la base, il sait où il veut aller déjà, Axel. Ouais, il est ambitieux et c'est tout à son honneur. Hein. Il se dit, j'ai les bonnes jambes, je vais aller me mesurer au meilleur. Hein. C'est tout à son honneur. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend et c'est cet état d'esprit qui emmène au plus haut niveau, finalement. Ouais, il faut aller chercher la difficulté, ouais. C'est sûr. Il aime ça, Axel. Ouais, je pense, ouais. Ouais. C'est quoi ses qualités à Axel? Parce que... Il grimpe bien, bon, c'est un puncher, il sprinte bien, il est capable d'être là encore après 230-240 km de course. Alors, il n'a pas 21 ans, il est un peu plus âgé, il doit avoir 24 ans, il est passé professionnel un petit peu plus tard. C'est un coureur qu'on peut voir sur finalement beaucoup de courses dans le futur. Ouais, il a des qualités, c'est-à-dire qu'il sait bien piloter son vélo, il va réussir à se positionner là où il faut au moment crucial, il sait prendre des risques. Il faut prendre des risques dans le vélo maintenant, vraiment beaucoup. Et aussi, il a une très bonne résistance à l'effort. Il va être très fort sur des périodes de 5 minutes, 3 minutes. Il est extrêmement fort. Et ça fait un garçon que l'on va suivre et que l'on suit déjà sur les antennes d'Eurosport. Tiens, lancement du Tour des Alpes l'année dernière, c'est Romain Bardet qui avait remporté le classement général. Première étape aujourd'hui, un gros travail de l'équipe Ineos Grenadiers. On a cru pendant un moment que Hugh Carty allait s'imposer, Hugh Carty qui cale dans le final. Et c'est Théo Gegenhardt qui s'impose, deuxième place pour Félix Gall de l'équipe AG2R Citroën. Et la troisième place donc pour Hugh Carty, une course à suivre tous les jours sur les antennes d'Eurosport en compagnie de David Moncoutier, le mondomètre, le classement des victoires avec l'équipe Cofidis, meilleure équipe française, 10e victoire, 9e et 10e ce week-end, puisque ça a très bien marché dans le Doubs et dans le Jura, avec les victoires de Victor Laffey, c'était sur la classique Grand Besançon, et puis de Ressous Serrada sur le Tour du Doubs au nez et à la barbe de Thibaut Pinot. Et puis regardez, au niveau français, eh bien ça donne ça, l'équipe Cofidis, à qui on n'a pas réactualisé les choses, puisqu'ils ont 10 victoires, l'équipe Cofidis. Impressionnante équipe Cofidis, comment tu analyses ce début de saison, de votre part, vous enchaînez les victoires là depuis quelques temps, puis il y a des belles places également dans les classements généraux. Écoute, analyser ça, je pense que ça se fera à la fin de la saison où on fera un point. Après, je pense qu'on a bien travaillé cet hiver tous et qu'on peut dire que ça nous réussit. Voilà, on n'a pas forcément... changer grand chose, hein. On a amélioré encore la structure performance et ça, on continue d'avancer, quoi. Comment il n'y a pas eu un changement majeur. Comment on améliore la structure performance, ça m'intéresse. Mais on a du coup on a un pôle performance avec trois entraîneurs et tu sais ça se développe, quoi. Il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place dans la structure performance. Tu as deux nutritionnistes. On n'en avait qu'un l'année dernière. Les nutritionnistes sont là à temps plein, donc ils sont tous les jours à te faire des programmes de nutrition. Enfin, tu vois, c'est chaque détail compte, tu vois. Donc, un peu plus partout et ça aide à être mieux, ouais. Avec l'arrivée de coureurs aussi important, l'arrivée de Benjamin Thomas, je sais que Benjamin, lui, il va travailler, il a travaillé sur le textile, notamment, ça paraît rien du tout, mais voilà, sur les combinaisons de chrono, c'est un fou de son vélo, bien entendu, du contre-la-montreur, Brian qui arrive également, qui pousse un petit peu, on va dire, le train de la Cofidis. Le travail de Cédric Vasseur est en train de payer. On s'est professionnalisé dans cette équipe Cofidis depuis 2-3 ans, toi qui as été le témoin de ça. Tu peux pas dire non, autrement t'es viré. Ouais, déjà. Mais non, mais la structure a beaucoup évolué. Moi, c'est ma 8e saison là, et chaque année, j'ai l'impression que je suis dans une nouvelle équipe parce que ça se développe, ça avance chaque année. Et ouais, c'est appréciable parce que bon, au moins, la monotonie qu'on parlait tout à l'heure, du coup, elle y est pas. Du coup, tu es dans la même équipe, mais comme ça change tout le temps, c'est comment te dire, c'est toi, tu
apprends des nouvelles choses chaque année, quoi. Ouais, chaque année, il y a un défi. Chaque année, il y a un repositionnement également au sein de l'équipe. Toi, tu nous l'as dit en début de saison, on t'a laissé tes cartes blanches. Tu vas rouler sur le prochain Tour de France. Tu auras peut-être des choses à faire sur ces deux Ardennaises. Mais voilà, ça évoluera peut-être l'année prochaine. Et c'est ça qui est intéressant, pour garder tout le monde impliqué finalement. Ouais, c'est ça, et motivé et aussi garder du plaisir aussi, quoi, tu vois. T'es toujours plus content quand t'as une équipe performante, ça tire tout le monde vers le haut et voilà. Tu vois un Resu Cerada gagner deux courses et tout, ça donne envie, tu vois. T'as envie d'aller plus haut, quoi. Et puis il y a Victor Lafay aussi qui a gagné ce week-end. C'était sur la Grosbesançon. Victor, il fait partie de ses talents, de ses pépites, avec Axel Zinglé, lui qui a déjà remporté une belle étape sur le Tour d'Italie. Victor Lafay aussi, il est dans l'âge de passer encore un niveau. Ouais, je pense que cette année, Victor va faire une belle saison. Il a déjà pas trop mal commencé et j'espère que ce sera une bonne année pour lui. Alors, il y a plein de téléspectateurs sur YouTube, hein, cette émission qui sera demain sur l'application, tout à l'heure en podcast. Il y a McFly, super français, tu connais le McFly, supporter qui se déplace sur toutes les courses. Et il te passe le bonjour, hein, McFly, coucou Anto. Puis il y a Ludovic qui aimerait connaître un peu tes objectifs pour la suite de cette saison 2023, Anthony Pérez. Alors faire je vais essayer de bien terminer ma première partie de saison, c'est-à-dire que là je vais encore faire Flèche Liège et Tour de Romandie dans la foulée. Et voilà, après en fonction de la forme, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas, je peux pas me projeter. Mais après faire un bon championnat de France, ça reste un objectif pour l'équipe et personnel. Vu le Et parcours, après ça peut être intéressant pour toi. En plus, Cassel, Celnor, Cofidis, il va y en avoir partout. Des supporters. oui. Ouais, et des coureurs aussi, parce que c'est un parcours très difficile, hein. Ça va être une belle journée de vélo, je pense. Le Tour de Et France, tu sais déjà? ouais, on se doute déjà un petit peu de la sélection. Après, tu sais que quand t'es au départ, hein. Ouais, Et tu retrouveras peut-être sur le Tour de France un adversaire que tu as bien connu, c'est Christophe Laporte, l'ancien de la maison Cofidis. Lui aussi avait un petit message. Alors, tu n'es pas obligé de nous montrer le message. Nous, on le passe aux téléspectateurs. On te laisse le regarder. Tu vas voir, on va parler truc Alors, compliqué. Citation latine. Tu connais Guillaume. Christophe Laporte, pardon. qu'est-ce Écoute, qu'il écoute, m'avait dit écoute, alors? écoute, Christophe. Salut Vas-y. Anto. Bon, j'ai vu que ton jardin et ton potager étaient bien prêts avec toutes les vidéos que tu m'as envoyées cette semaine. Mais j'aimerais aussi savoir si toi aussi t'es prêt pour les Ardennaises. Allez, salut! Passion Je suis au moins. potager. Passion potager, Anthony Pérez. Ouais, avec ma femme, on s'occupe de notre jardin. Ouais, on est ça. C'est pour moi, c'est une deuxième passion, la nature et le jardin. Donc, je suis beaucoup dans mon jardin à m'occuper des végétaux et tout ça. Et puis, j'ai un poulailler aussi. Et on aime bien la nature. Ouais. Tu as fait d'autres études? Et Parce que je sais que Philippe Gilbert, il est horticulteur. Tu t'as pas envie c'est de... vrai. Ouais, Philippe Gilbert a Je fait des savais pas. études d'horticulture. Je le savais pas non plus. Moi, je peux pas dire que j'ai fait des études. J'ai fait un bac pro commerce. Ouais. Quoi? Bah c'est bien un bac déjà. Ah ouais, super. T'as pas l'air convaincu. Bon, alors est-ce que t'es prêt pour les Ardennaises? Parce que c'était ça la deuxième partie de la question de Christophe Laporte. Alors, je suis au moins aussi prêt que toi à Roubaix, Christophe. Je suis prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai pas de problème, ça va marcher. Parce qu'il a eu quand même des Non, galères. il n'y a pas de message caché. Non, il était prêt, je suis prêt aussi. Bon, tiens, moi j'ai une question qui t'a pas posée. Est-ce que, comme Christophe Laporte, un jour tenter l'aventure à l'étranger, est-ce que ça intéresserait Anthony Péage? J'avais pas le droit de la poser. Cédric Vasseur, ah bah ça y est, bon, il y a un texto. Non, 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 non. Ouais, je me ferme aucune porte, mais pourquoi pas. Ça peut être intéressant pour franchir encore un palier? Tu y penses sérieusement? Ouais, en fait, je sais pas si c'est de partir qui te permet de passer un palier. Je suis pas sûr, je suis pas convaincu que partir d'une équipe te permet de passer un palier. Je pense que chacun le passe quand il doit le passer, et étranger ou pas étranger, je sais D'accord. pas si ça aide vraiment, je sais pas. Une bonne Mais je me réponse. ferme aucune porte, ouais. Une bonne réponse de Normand. Un grand merci pour cette réponse. Brian Cocard, lui, il a Ouais, c'est changé d'équipe. compliqué hein, à répondre à ça, c'est pas évident.
Je ne saurais pas te dire. C'est la trajectoire de chacun. On verra la tienne, ta trajectoire ouais, personnelle. Ça. Brian Cocard qui vous a remporté une course World Tour cette année, là aussi ça monte. Il va y avoir pas mal de choses, hein, sur, je sais pas, j'imagine que Brian sera sur le Tour de France, on peut imaginer que Guillaume Martin va y être. Comment on va jouer avec bah, toutes ces belles cartes? Ça va être compliqué ça. Ouais, après tu as vu, c'est de plus en plus, enfin, toutes les équipes maintenant mettent leur plus fort coureur autour et enfin maintenant tous les coureurs de chaque équipe sont des machines hein. De toute façon là faut arriver le plus armé possible et pour pouvoir rentrer dans la bataille hein. Et on peut former un train autour de Brian Cocard parce que sur le tour il y en aura des trains de sprinteurs. Pouf. Ah ouais là je sais pas si je sais, ouais peut-être qu'il peut avoir un mec pour l'aider, ouais. Mais après, de là, ce qui est 7, 6 mecs devant lui, dans un final de course, j'ai un doute. Ça match avec Brian, c'est quelqu'un d'assez facile à vivre. Brian, tu l'as vu débarquer dans cette équipe Cofidis. J'imagine que bon, les choses se font assez bien. Vous avez déjà vu d'ailleurs en course, tu as déjà travaillé pour lui. Ouais, c'est un bon mec. Hein. Il a porté pas mal, à l'instar de Benjamin Thomas aussi. Les deux, quand ils sont arrivés, on a senti une bonne redynamisation des troupes. Ils sont à la fois marrants, c'est intéressant, pour faire des blagues. Et ils sont aussi de très bons coureurs, donc c'est appréciable. C'est-à-dire qu'ils poussent à avoir les objectifs un petit peu plus haut, c'est ça? C'est ce que tu es en train de me dire. En gros, c'est ça. Et Guillaume, il est comme ça en plus. Guillaume Martin est comme ça déjà. C'est vrai, exactement. Ouais. Non, mais on a une équipe bien structurée et si l'effectif reste comme ça, je pense qu'on peut progresser encore un petit peu. Ouais. Ouais, 10 victoires, on l'a dit. On verra si vous atteignez les 30, pourquoi pas en fin de saison. J'ai regardé les stats. 30, ça n'a jamais été fait hein, par Cofidis. Ah oui. Ah non. Mais il y a eu des bons chiffres, mais 30, sur les 10 dernières années, je n'ai pas vu ça. Même avec des Nasser Bouhanni, même avec des sprinteurs à l'époque, ça n'a jamais été aussi haut, en tout cas au mois d'avril. Une petite question vidéo bah, de Guillaume Martin. Tu vois, il va te parler en latin. Moi, je n'ai rien compris. C'est la troisième vidéo. Normalement, elle est dans ouais, je l'avais lu. Salut Anto, salut à tous. Alors, je voudrais que tu m'expliques ce qu'est un trachycarpus et que tu expliques surtout aux téléspectateurs parce que moi, tu m'as appris. Salut. Je l'ai pas ça. Enfin, je suis allé chercher hein, tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est vrai? Ouais, je savais. Mais après, quand j'ai vu la photo, j'ai dit je sais. Oui, mais je l'appelais pas comme ça moi. Ah, trachycarpus, ouais, c'est un palmier. C'est un palmier assez rustique, c'est-à-dire que c'est un palmier que tu peux avoir dans beaucoup de régions en France. Voilà, c'est le palmier le plus connu qu'on voit partout. Et vous parlez voilà. Palmier donc avec Guillaume Martin? Ouais, parce que j'avais pas mal de palmiers dans mon ancienne maison et je lui avais fait part que j'aimais bien et lui aussi l'apprécie, je pense. Et il a un côté nature aussi, Guillaume, qu'on partage. Ouais, c'est ouais, non, mais je pensais au palmier au domaine là-haut. En Normandie, le palmier, c'est pour ça qu'il t'a demandé, est-ce que je peux mettre des machin. Trachycarpus, ouais, comme ça, c'est rustique, c'est-à-dire que ça tient sous le froid. Oui, bien sûr qu'il peut en mettre. Ah, c'est ça. Vous voulez mettre des palmiers au domaine de la broderie. Je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Domaine de Guillaume, je crois. Le domaine de Guillaume et de sa maman, d'ailleurs. Non, mais ouais, il peut essayer. De toute façon, s'il crève, il en rachètera. Ouais, il a les moyens, c'est le leader de l'équipe. Guillaume, qui a connu un début difficile, ça va mieux là. Il s'est redonné un peu de confiance sur ses 3 jours de course, justement, dans le brouillard, dans la purée de poids chez Thibaut Pinot. On sent que ça va un petit peu mieux pour Guillaume, et ça, c'est toute l'équipe qui va mieux quand le leader est en forme. Bien sûr, en plus, il s'y retrouve un peu confiance en lui. Là, je vois qu'il vient sur la flèche wallonne alors que c'était pas son plan initial. Donc, il a retrouvé de la motivation grâce à ses résultats qu'il a obtenus. Et c'est cool, tant mieux pour nous. Ça veut dire qu'il va travailler pour Anthony Pérez, mercredi alors. Et voilà, c'est pour ça qu'il va venir. Vos questions. Non, c'est bon. C'est bon, je te la laisse. Alors, voilà, on va aller sur les questions parce que je t'avais dit une demi-heure. Regarde ta montre. 31 minutes déjà qu'on est ensemble. Non, c'est pas vrai. Ben si. Il y a une erreur. Ben non, 18h31, donc j'envoie les questions. Cyril, objectif maillot à poids un jour. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête sur le Tour de France? Ouais. Oui, mais c'est dur. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile quand il faut protéger Guillaume, quand il faut lancer Brian Cocard dans le final, c'est-à-dire partir dans les échappées, se faire les échappées jusqu'au bout, tous les jours, en troisième semaine.
un peu compliqué. Ben ouais, c'est ça. En plus, si tu te le fais souffler à la dernière étape par le maillot jaune. C'est ça le problème aussi. Pogacar, il prend des points. Hein. Tous. Tous, ils en prennent tous. Nathalie, Anto en bleu, blanc, rouge. Ça serait pas mal pour le Tour de France. Tu nous as parlé de Cassel. Ah, ça serait pas mal. C'est le combat d'une vie, hein, le maillot bleu, blanc, rouge. Plus que les autres? Peut-être parce qu'il est plus atteignable qu'un maillot de champion du monde, qu'un maillot jaune pour Anthony Pérez, celui-là. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. C'est sûr que le maillot arc-en-ciel, évidemment, mais bon, faut savoir tranquille, faut savoir doser. Combien de temps penses-tu encore rouler au niveau professionnel? Question de Crucio. Tu es jeune encore, Sure. c'est-à-dire un an de moins que Thibaut, donc 91, un petit 32, encore 4-5 ans. Comment tu vois les choses? Tu connais le vélo quand même, Guillaume, hein? C'est Ah, j'essaie. exactement ce que je pensais, tu vois. 4-5 ans? Ouais, un truc comme ça, Donc 4-5 ans chez Cofidis ou ailleurs, mais ça on ne sait pas, tu n'as pas voulu nous répondre. TFC ou Stade Toulousain? Question de Fred. ouais. Ni l'un ni l'autre, je regarde pas, donc ça m'intéresse pas du tout. Tu nous as dit tout à l'heure que tu aimais le foot. Eh oui, mais j'aime y jouer, j'aime pas regarder. Ah, tu regardes pas la C'est-à-dire rue, que. tu regardes pas le sport à la télé. Du tout, du tout, du tout, du tout. Rien. Ah, je regarde pas la télé tout court d'ailleurs. Mais même le vélo. Le vélo, tu regardes pas. Ah si, quand il y a des copains, ça m'arrive, j'ouvre mon téléphone, mais je vais pas me coller sur le canapé à regarder, non, non. Plutôt le potager alors. Eh oui. Question, Timéo, est-ce que tu penses que Guillaume Martin peut faire un top 5 sur le Tour de France? 5. Comme j'ai dit tout à l'heure pour maillot à pois, c'est pas facile. Mais pas pour Mais toi, c'est hein, pas pour Guillaume impossible. Martin. Ben oui, c'est pareil. C'est pas facile. C'est Il pas va impossible. pas nous faire les trois grands tours encore cette année, Guillaume. Non. Non, non, là, c'est bon. Ça va aller. Il a Je fait pense déjà s'il fait un bon tour, c'est sauter le déjà pas mal. moteur la dernière fois. En plus, il avait terminé la Vuelta à côte cassée, compliqué. Ouais, mais c'est très très dur de jouer le général sur deux grands tours d'affilée ou même trois. Enfin, l'an dernier, on avait fait Giro et Tour ensemble et. C'est vrai, c'est une exigence au jour le jour, c'est waouh, c'est franchement chapeau. Le plus dur, c'est presque là, j'allais dire dans la tête, parce qu'il faut arriver à garder de la motivation, de la fraîcheur. Alors il y a les jambes aussi, mais je veux dire, sans la tête, à un moment donné, on a envie de bâcher, quoi. Guillaume, il a ça en lui, quoi. C'est un résilient, Guillaume. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il faut être un guerrier, c'est-à-dire qu'il faut savoir souffrir tous les jours, physiquement et mentalement, et y retourner le lendemain et tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et jamais lâché. Et franchement, Guillaume, c'est ça spécial, hein. Il lâche rien. Franchement, chapeau. Combien de kilomètres roules-tu par an? C'est une question de Sam. T'as un gros borneur, toi? Je le deviens avec l'âge. Je tends à le devenir. Donc, je vais plus vers les. Cette année, j'ai fait 31 000 km. L'année, enfin, 2022. Bah Là, je ça, pense que je serai plus vers 32, je pense. ouais, ça fait 31 000 de plus que moi, hein, grosso merdo dans l'année. 4-5 ans et après, tu te vois comment? Journaliste, entraîneur, rester dans le vélo? Question de nos téléspectateurs. C'est comme pour l'étranger, je peux pas savoir, tu vois, c'est difficile à dire. Mais j'aimerais bien, pourquoi pas avoir une entreprise familiale avec ma femme, tu vois, faire quelque chose, je sais pas, Vendre des de palmiers. domaine, un commerce, un truc, ouais, vendre des oliviers, des palmiers. Ah, c'est pas Je sais mal. pas trop, mais ouais, un commerce familial, ça me botterait, tu vois, avec ma femme, travailler ensemble. Papa encore, je sais plus. Oui, non? Oui, on a une petite. C'est Et récent ça. ouais, elle a 2 ans et demi et le deuxième va arriver fin octobre. Ça c'est noté fin octobre. Comme ça, on regardera les listes de départ. C'est bien, vous avez bien protégé les trucs, préparé les trucs. Fin octobre, normalement, c'est vacances. Tu auras un mois pour voir grandir le dernier venu. Qui va gagner le Tour 2023, d'après toi, Anthony Pérez? Question de Victor. Est-ce que Primoz le fait, le tour? Pour moi, oui, mais il fera le Giro pour le gagner. Bon, ben, je dis encore Jonas. Ah ouais, plus que Pogacar. Je pense. Et pourquoi? Je pense que Jonas et Jumbo sont plus dans
dans le contrôle avec Jonas, je sais pas si tu vois, mais il fait pas énormément de jours de course et tout, donc je pense quand même qu'il le réserve. Pogacar est en train de perdre le Tour de France là, en allant remporter mercredi la Flèche, dimanche dernier l'Amstel, le Ronde, Paris-Nice, bientôt champion du monde, le Lombardie aussi. Il en fait trop pour toi? Ben non, mais c'est un hyper champion, c'est incomparable avec. Enfin, je peux pas comparer, je peux pas dire, je sais pas ce que. Bon, mon avis, c'est que personnel, c'est que la gestion, il y a une gestion de la saison et que le Tour de France reste l'objectif majeur pour Jonas et peut-être pas pour Tadej qui, lui, veut gagner le Ronde, il veut gagner. Enfin, tu vois, il a déjà eu d'énormes objectifs qu'il a accomplis déjà et peut-être que sa soif va baisser, tu vois. Peut-être, hein, j'en sais rien. C'est terrible parce que je pensais à ça ce matin, pour tout te dire. Et je me dis que le problème, c'est que s'il perd le tour l'année prochaine, bah, Pogacar, on ne le verra plus. Pogacar, on va le mettre dans la ouate comme Jonas Vingegaard et ça sera tout pour le Tour de France. Ce qui sera bien peut-être pour les autres. Il en laissera un petit peu pour les autres. Peut-être, je sais pas, c'est dur à analyser hein, après de l'extérieur, tu sais, quand t'es pas dans l'équipe. Hein. Mais ouais, après, c'est quand même énorme le Tour de France. Enfin, Il paraît. je sais pas, il vaut mieux gagner deux fois le Ronde ou une fois le Tour, je sais pas. Bah lui, il s'en fout, il a gagné deux fois le tour et une fois le ronde. Comme ça, il a répondu Ben ouais. au problème. Il y a Sam qui voudrait avoir un conseil. Quel conseil tu donnerais pour passer pro? Difficile ça. Alors, j'avais une phrase en tête. Il faut persévérer et pas reproduire les mêmes erreurs. Se tromper, Et mais voilà. Et tirer tu les comptes. enseignements de ses erreurs. Ouais, faut travailler beaucoup et persévérer. C'est-à-dire que même quand tu es fatigué, ben, faut continuer à travailler. Même quand tu n'es pas bien, ben, machin. Et puis quand tu fais des erreurs, ben, tu essaies de pas les refaire une deuxième fois. Et tu continues, tu répètes ça sur des années, Et des années, des années. à la fin, ça gagne. Dernière question, mais je crois Ça que tu. dépend. Ouais, ça dé... bon, de toute façon, il n'y en a qu'un qui gagne. C'est ça le problème. Il y C'est en a ça. 170 au départ et il n'y en a qu'un qui gagne à chaque fois. Alors après, nous, les journalistes, et lui, c'est une pompe, et lui, il vaut rien, et lui, il n'est pas en jambes, c'est bien, mais il y en a toujours qu'un qui gagne. Et la vérité d'un C'est jour ça. n'est pas celle du lendemain. Qu'est-ce que j'avais comme question? C'était bien pour terminer. Quelle course rêves-tu de gagner cette année? Mais je crois qu'on a compris. Eh ouais, tu vois, on n'a pas besoin de. Non, mais c'est vrai que Champion de France à Cassel. ça reste quand même le. Ouais. Et t'y penses depuis le début de saison, j'imagine, à celle-là. T'as fait les recos? Petit parcours, il a changé. T'as vu la petite côte là, sous le Porsche? Ça va... J'ai vu. Ah donc ouais, il est bien au courant, le garçon. Non, mais on a fait la reconnaissance avec Cofidis cette année au mois de janvier. On est allé, on a fait le tour, toute l'équipe. Avec Alain Deloye? Bien sûr. Ah oui, quand c'est le Nord, c'est Alain Il Deloye. C'est Alain Deloye. était là. Il était là. Et Maximilian Walshein. Top 10 hein, sur Roubaix. L'année dernière, il n'avait pas pu le faire. Je crois qu'il avait fait Chapeau. la reco en privatif avec Alain. Et c'était juste après Denain. Et après, il a son accident, il est fauché. Mais là, belle carcasse, top 10 avec. C'était qui? Lorenz Chapeau. Rex. Ouais, chapeau. On regarde le programme. Tu regardes pas la télé, mais moi, je te donne quand même le programme de la semaine sur les antennes d'Eurosport avec le Tour des Alpes hein, tous les jours. On se retrouvera demain à 13h30, 12h30 en revanche, mercredi, puisqu'à 11h, il y aura la Flèche Wallonne. Au féminin, à 14h30, la flèche des garçons, Liège-Bastogne-Liège, avec Roi de la Pédale avant et après, et un plateau de rêve. On retrouvera David Moncoutier, on retrouvera Philippe Gilbert, on retrouvera Audrey Cordon-Ragot. Et puis, 18h, le week-end prochain, quelqu'un qui ne fait pas comme toi, qui ne se rase pas la barbe, mais qui est toujours bien coiffé, c'est Geoffrey Soupe qui sera dans le bistrot. Le dernier mot, il est pour toi, Anto. Oh la vache, Geoffrey. Eh bien, merci de ton invité, Guillaume. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. On voit que tu connais ton sujet quand même. Bah, c'est les Et années, je suis nul, mais c'est à force de vous écouter, tu sais. là, tu sais que j'ai des amis à moi qui sont admiratifs de ta façon de présenter les choses. Et franchement, continue, chapeau. Bah, ça me touche, mais c'est toute l'équipe, hein. On a des consultants, des super journalistes, il y a Sébastien Petit. Et moi on te, tu vois, c'est ça, c'est l'équipe. On te remercie, change surtout rien, tu fais partie de ces coureurs qu'on adore, comme beaucoup, la disponibilité, le sourire, faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Merci Anto. Merci à tous, c'est gentil.